Bonjour à tous, c'est Amaury et on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 10 avril 2024 pour un live Mario Kart 8 Deluxe. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. J'étais en vacances, j'ai dû m'absenter quelques instants, enfin quelques mois, quelques semaines. J'ai pas eu ma vie donc je pouvais pas jouer. Mais on est de retour, tranquillement. Donc programme du jour, la dernière course GameCube, enfin la dernière coupe GameCube. Et les deux premières coupes de Mario Kart DS. Donc je vais commencer directement. Non, il y a pas de chier aujourd'hui. Il y a pas de chier. Non, c'est fini. C'est fini. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien, Val. Si on s'est déjà vu tout à l'heure. Désolé s'il y a un peu de décalage. Je ferais peut-être que j'essaye de régler ça. Si, si, oui, mais ce matin, c'est oublié ce matin. Je me suis marré, mais c'est tout. C'est drôle ce matin. Oui, oui, c'est vrai, j'ai dit chier. C'est vrai. Bah, moi, je vais bien. J'ai bien mangé. Voilà. J'ai bien mangé. Pas dire ce que je vais manger. Je vais essayer de voir. Ok, d'accord. Je vais essayer de voir pour la latence au prochain stream parce que là, je peux pas changer. Mais je vais voir pour la latence. C'est juste que comme PC est pas très puissant, je vous disais peut-être que ça va affecter les performances et tout. Je préfère qu'il y ait du décalage et que le stream soit joli plutôt que l'inverse. Salut Ethan, j'espère que tu vas bien. Qui est encore le dodge prévu. En tout cas, ça fait plaisir de rejouer à ma carte 8. Ok, d'accord. Ça fait plaisir, sauf quand la manette elle fait ça. Bah écoute, moi j'ai bien mangé, alors pour le moment ça va. J'espère que la journée va continuer ainsi. Tiens, allez, Peach va se prendre la bleue. Oh, okay. On va essayer de passer quand même. Ouais, ça passe. Le petit saut à la fin, magnifique. Bon bah elle est sympa cette map. Même si je l'avais déjà fait parce que je crois qu'elle est sur CTGP. Je sais pas si c'est la même version que sur CTGP, mais faut que je regarde. Passe à Jungle Dino Dino. Ah oui, c'était bien aujourd'hui. Ah, je me suis bien marré. Et surtout, chez Val. Si t'es encore là, Val. Ça, c'est pour les parcs baby. Oh non, pas la rouge. Non, 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 non. Ok, moi, je vais en prendre. Come on.
Parce qu'il y a avec cette moto, c'est que je peux passer là sans problème. Allez, allez, go, go, go! C'est dommage que cette course ne soit pas sur ma carte de luxe. Mais vraiment, je préfère mon tas de dégâts que ça. On va dire qu'on prend. On prend ce qu'on a. Cette moto elle est bien parce qu'elle a du bon hors-piste. Ah c'est vrai que le bloop sur ce jeu est immense. Mais quand on connaît la course ça va. Surtout quand c'est des courses qu'on connaît pas, là ça devient plus dur. Encore une bleue, mais qu'est-ce qu'ils ont les ordi à spammer les bleus aujourd'hui? J'ai mal fait. Ça passe quand même. Petit raccourci. Et premier. Alors GameCube, Château de Bowser, c'est parti. Ce qui est bien sur ce pack, c'est que les créateurs des courses sont indiqués en bas à gauche avant chaque course. Ça je trouve que c'est un bon ajout, que CTGP devrait avoir d'ailleurs. CTGP 8 parce que je crois que CTGP 7 est là. Ok, je vais défoncer. Hey, 45 secondes, il y a déjà une bleue. On est 5 sur le live. Ouais. J'ai eu trop tard. Ce que j'aime pas avec cette course, ce passage-là, et voilà, voilà. Merci beaucoup. Exactement. D'ailleurs, t'en penses quoi de cette version? Bah, elle est pas mal, personnellement. J'ai failli faire target shot.
Ce virage est assez dur, mais avec la méthode fine, ça passe tranquille. Faut passer loin de la boule de feu. Les tours sur cette course sont assez longs quand même. Ok, je fonce droit dans la fausse boîte à item. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Pas ça se voit trop sur mon gameplay. Parce que d'habitude je joue pas comme ça, d'habitude je joue bien mieux que ça. Et bon, comme on est avec des ordi, tranquille. On est juste là pour jouer. Pour découvrir les courses. Même si bon, celle-là, je la connais un peu. Mais c'est pas exactement la même que sur celle sur CTGP. Que celle sur CTGP, il y a un bug à la fin. Enfin, je sais pas si ça peut être considéré comme un bug. Mais c'est tellement aléatoire, le truc à la fin. C'est mal fait. C'est très mal fait. Et je trouve qu'elle est moins jolie celle de CTGP. Mais après ça, peut-être que c'est. Peut-être que comme j'ai jamais joué avant le Wii et tout HDMI, que c'est ça. Moi, du coup, on passe à Route Arc-en-Ciel. Alors, je crois que cette course est en deux tours, si je me trompe pas. Ok, d'accord, c'est la version de CTGP. J'aurais préféré la nouvelle, mais bon, fais avec. Deux tours, c'est ça, deux tours. Cette course est très jolie quand même. Elle est où la rouge? Ok. Par contre, je me dis en fait que 2 tours c'est beaucoup trop court, mais 3 tours c'est un peu long. Mais je préfère quand même que ce soit 3 tours. À la fin, là, il y a un raccourci qu'on peut faire avec un champignon. Mais je vais pas le faire. Là, on peut directement aller à droite et passer une partie du virage. La spirale, devrais-je dire. Ah, là, c'est déjà le dernier tour. J'arrive pas à faire mini turbo. Moi je vous rendrai pas la bleue. Ah, je me suis doublé. Ah ouais. Chaud les ordi. Oh. Bowser squelette. C'est pas gentil. Un peu, ouais. Je suis sûr que j'aurais préféré ça à la place de 3DS Route Arc-en-Ciel. Mais vraiment, la Route Arc-en-Ciel est à sa place. Mais pas à la 3DS. Oh, mais j'allais finir deuxième.
peu dégoûté de cette course parce que j'ai fait défoncer. Du coup, c'était la dernière course de mon quart double dash. Donc on va commencer les coupes de Mario Kart DS. Bah je pense... Non, pas contre la montre. C'est mieux pour Mario Kart DS que de prendre lui. Skullrex. Dommage, ils ont pas mis le tank. Bah c'est pas grave, on va prendre ça. On va prendre autre chose. Je sais pas quoi prendre parce que ça, je me dis, c'est du outside. Ouais, non, on va prendre ça. On va prendre ça, j'aime bien. Ah, bon, bah voilà, ça commence bien. Bon, bah un petit crash, ça fait plaisir. Bah, je pense qu'il faut que je redémarre ma console. Bon, je reviens alors. Un beau crash. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'aime bien les crash. Bon, au moment, vous avez vu ce que ça fait quand ça crache. En espérant que cette fois-ci ça ne crache pas. Voilà. Ça doit être un crash random. Ou alors c'est le personnage avec la moto, je sais pas. Ah, le live bug un peu. Qu'est-ce qui se passe encore ?